Monsieur le directeur de l'API, Monsieur le secrétaire général de l'East African Business Council, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, Mesdames et Messieurs les représentants des différentes institutions financières, les assurances et sociétés de télécommunications, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration de l'EAC, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, Tugira Mahoro. Bonsoir. Ce jour où nous réunissons ensemble ici autour de cette table ronde, je me réjouis de votre présence, tout en remerciant le Dieu Tout-Puissant qui, par sa miséricorde, nous a fait grâce de nous rencontrer dans cet hôtel. Permettez-moi d'abord de joindre ma voix à celle des intervenants qui m'ont précédé pour remercier les organisateurs pour leur accueil chaleureux dans cet hôtel et pour toutes les dispositions prises pour créer un cadre d'échange exceptionnel. Vous avez privilégié cette table ronde par rapport à d'autres obligations et je pense que les résultats de ces heures de réflexion, de partage et d'échange seront très constructifs, productifs et indélébiles. Mes remerciements vont également à l'endroit des organisateurs de cet événement spécial qui permet à nos partenaires de nous rencontrer afin d'échanger nos expériences et de présenter à la communauté internationale les progrès accomplis et les défis à relever pour notre développement, afin d'imaginer ensemble de nouvelles mesures de soutien et actions à notre faveur. L'intégration économique des pays dans des ensembles économiques plus vastes ouvrent au secteur privé une opportunité de développer les services divers facilités par la libre circulation des personnes et des biens. Après une longue crise qui a sévi au Burundi pendant plus d'une décennie, le pays se stabilise et la paix et la sécurité se consolide graduellement. Les autorités s'attellent à la reconstruction dans tous les secteurs de la vie nationale. Aujourd'hui, le Burundi est en vaste chantier dont les axes prioritaires ont été définis pour le long terme dans la vision 2025 pour le Burundi. Cet exercice permet au pays de jeter les bases d'un développement durable et équitable, en même temps qu'il met en place des incitations pour encourager et attirer des investissements du secteur privé tant national, régional qu'international. Dans son contexte, le secteur privé apparaît comme un secteur promoteur pouvant servir de levier d'une croissance économique grâce à l'effet d'entraînement sur de nombreux secteurs socio-économiques comme la restauration, les transports, les hôtels, les télécommunications, les sports, la culture, les banques et les assurances, etc. C'est pourquoi le gouvernement du Burundi a ciblé le secteur privé parmi ses axes prioritaires. Le développement du secteur privé nous a permis de faire
des constats et de tirer quelques leçons que nous voudrions partager avec vous. L'intégration dans des ensembles régionaux plus vastes présente des atouts indéniables pour le secteur privé qu'il convient d'exploiter à bon escient. Pour le Burundi, l'intégration régionale présente des atouts tant économiques que politiques. Les conflits ayant eu cours dans la région des Grands Lacs par le PAS ont eu des influences négatives les uns sur les autres. L'intégration garantit la paix et la stabilité dans la sous-région. Dans le secteur privé, les États de la communauté de l'Afrique de l'Est, dont le Burundi est membre, ont déjà mené des actions de promotion de l'Afrique de l'Est comme destination unique. Au Burundi, une telle démarche a permis un éveil et une prise de conscience du secteur privé sur les opportunités d'investissement existant dans les différents secteurs. Le résultat est qu'il y a de plus en plus d'investissements. Le gouvernement a par ailleurs mis en place des structures de concertation et de dialogue permanent entre le secteur public et le secteur privé sur toute question d'intérêt mutuel. En conclusion, je dirais que le secteur privé est un secteur d'avenir pour bon nombre de pays de l'Afrique de l'Est. Cependant, son développement nécessite une mobilisation des ressources importantes capables de répondre aux besoins du secteur en termes de législation, de renforcement des capacités, de construction d'infrastructures nécessaires, de marketing, etc. Nous sollicitons les agences des Nations Unies et les autres bailleurs traditionnels pour nous accompagner dans son programme ambitieux. Je voudrais saisir cette opportunité pour saluer le soutien de certains bailleurs qui ont pris l'initiative de se constituer un comité pour soutenir le secteur privé. Je félicite et remercie sincèrement le représentant pays de Trademark East Africa au Burundi.